Bonsoir. Évidemment, le sujet que j'ai à traiter permet moins de lyrisme que ce qui vient de me précéder. Donc, je vais essayer de ne pas être trop rabat-joie en vous parlant de choses peut-être un petit peu plus pratiques. Je voulais parler des institutions, mais c'est quelque chose qui a déjà été traité, donc je vais vous en faire l'économie, pour vous parler précisément de l'économie, ou plus précisément de l'interdépendance qu'il y a entre l'économique et le social, puisque vous l'avez compris, comme l'introduction l'a laissé entendre, c'est dans le domaine du social que j'ai passé 50 ans de ma vie. N'ayez crainte, je ne vais pas vous infliger de détails, ou je vais simplement vous donner quelques pistes sur mes convictions et sur ce qui mériterait d'être pris au sérieux et travailler, innover dans la principauté qui, effectivement, doit résolument moderniser ses règles sociales. C'est évidemment un objectif qu'il faut poursuivre et nous avons fait quelques progrès. Bon, on parle effectivement d'une innovation qui est le télétravail. Certes, c'en est une, elle n'a pas encore été transformée avec le succès qu'on y attendait, mais en tout cas, c'est une première bonne voie qui permet d'envisager aussi, peut-être parce que justement ce système est un des premiers qui est vraiment interactif, c'est-à-dire que le télétravail, tout le monde a compris que ça ne serait pas obligatoire, que ce ne serait qu'un consentement obtenu entre employeurs et salariés pour des conditions de travail différentes, qu'on a un peu à inventer. On sait qu'il va falloir aussi que le management invente une façon de gérer des salariés qu'on n'a pas à portée de main, qui n'ont pas pointé en arrivant, qu'on ne voit pas partir, et pour cause, ils ne sont pas venus. Il n'empêche quand même qu'ils auront fait leur travail et que c'est effectivement une petite révolution culturelle que nous allons avoir. Nous allons donc découvrir qu'il y aurait beaucoup de bonnes raisons à développer un dialogue social qui ne repose pas sur la loi qui date de 1947, elle a mon âge, et ce n'est pas plus glorieux pour moi que pour elle, mais en tout cas, on n'a plus du tout le même contexte que l'immédiate après-guerre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut penser autrement et de façon plus moderne, parce que justement, les gens sont mieux instruits, ont plus de possibilités, et puis le travail a aussi changé de forme. Je pense qu'il faudra réfléchir un petit peu plus à une représentativité des salariés, mais surtout à développer ce que je considère comme une mine d'or, qui est en fait le dialogue et la possibilité pour les salariés de s'exprimer dans l'entreprise sur beaucoup de sujets et tous les sujets. Vous allez me dire que je suis un méchant copieur d'un certain monsieur qui a proposé à peu près la même chose en France il y a quelques mois seulement. Pour moi, c'est un sujet que j'ai au cœur depuis longtemps et je continue de croire qu'il y a une richesse inexploitée qui est justement l'interactivité des gens dans l'entreprise qui, effectivement, subissent les difficultés du train le matin et le même l'après-midi quand il veut bien rouler. Un certain nombre de choses peuvent se régler au sein de l'entreprise à condition, effectivement, qu'on puisse un petit peu canaliser quelque chose qui, moi, me paraît essentiel. C'est un sujet que j'aurais aimé défendre. Il commence par une première réforme qui n'est pas envisagée, mais que j'aimerais bien proposer, qui est de revoir justement cette loi de 1947, qui prouve aujourd'hui uniquement la capacité qu'elle a de stériliser les rapports entre syndicats et patrons, les rapports entre salariés et entreprises. Voilà, c'est effectivement moins lyrique, mais je vous avais prévenu que ce que les autres ont fait avant moi. Je ne vous dirai pas non plus ce qu'il vous appartient de faire le 11 février, mais vous l'avez déjà compris.